Burkina Faso have never won a medal. Ce record, belle planche. Et quel enchaînement de sauts, là, il n'y a pas de déséquilibre. Tout reprend dans l'axe à chaque fois. Oh là 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 là. 17,77 pour Hugues Fabrice Zengo. Énorme performance. Hugues Fabrice Zengo est devenu le lundi 21 août 2023 à Budapest le premier athlète africain à être sacré champion du monde au triple saut. Grâce à sa 10e meilleure performance de tous les temps, l'étalon offre une première médaille d'or mondiale au Burkina Faso. Sa première médaille d'or en salle, un an après celle remportée en plein air à Budapest, Zengo, le Burkinabé, récemment diplômé docteur en génie électrique et major de sa promotion, impressionne. Je suis Fabrice Zengo, docteur en génie électrique, double champion du monde du triple saut et futur champion olympique à Paris 2024, j'espère. Je suis né à Koudougou, à 5 km de Ouagadougou, en 1993, le 25 juin. Et je suis arrivé en France en 2016 dans le cadre de mes études et également dans le cadre du sport. Et depuis, je fais mon petit bout de chemin. Alors au départ, moi je voulais juste être ingénieur dans la recherche, parce que la recherche, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Et donc, moi, je voulais vraiment faire de la recherche dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de l'électricité de façon générale. Ça, c'était mon rêve dès le départ. Alors, au Burkina Faso, c'est clair que l'athlète, le sport en général, n'est pas quelque chose de très valorisé au départ. Et donc en 2011, en fait, que je découvre le triple saut et que je découvre en fait qu'on pouvait faire de l'athlétisme à un niveau un peu plus que scolaire. Voilà. Donc parce qu'au départ, je faisais vraiment l'athlète, le sport, surtout pour les notes scolaires. Hein. Mais voilà, donc mon professeur d'éducation physique, il a trouvé que j'avais quand même un certain potentiel. Il m'a proposé de m'inscrire à une compétition qui regroupe quand même des collèges et des lycées de Ouaga. Et c'est à cet effet en fait. Et d'ailleurs, c'est la seule compétition où des entraîneurs nationaux pouvaient détecter des gens. Donc c'est vraiment une seule compétition, une seule chance par année et ainsi de suite. Donc voilà. Donc j'ai été, on m'a détecté et on m'a proposé de venir entraîner. C'est là que je découvre le triple. Moi, j'exploite absolument tout ce qui est data dans la science, dans le sport du moins. Donc, je connais mes vitesses d'approche, je connais à peu près mes distances de saut. Donc, ça me permet effectivement de pouvoir avoir une analyse beaucoup plus critique plutôt qu'émotionnelle, surtout dans l'objectif de progresser, quoi. Et il ne faut pas mordre, en fait, ce titre-là. Donc, lorsqu'on est ici, on a mordu la planche. Donc, il faut vraiment être à 20 cm dans la planche maximum. Pour être bien quoi en réalité, et c'est à partir de là qu'on exécute son saut. Je pense que il faut qu'on rêve, hein. Et nous en Afrique, comme j'ai souvent dit, pour les Burkinabés ou pour les jeunes Africains, on n'accepte pas rêver suffisamment grand. Et pour moi, accepter rêver grand et j'allais dire le proclamer et tout mettre en place pour y arriver, ça nous fait grandir, même si on n'arrive pas à ce but là, au moins on aurait eu, en fait, j'ai envie de dire, le courage de porter ses rêves, d'avoir des rêves, en fait. La personne que je veux devenir, c'est qui, finalement? Je veux être champion olympique. OK, le champion olympique, il fonce. Il a peur, peut-être, mais il fonce. Il exploite toutes ses forces, il limite ses faiblesses. Lorsque le plan il est fait, il faut maintenant que tu aies la discipline de l'appliquer. C'est bien beau de planifier, mais il faut exécuter derrière. Donc, comme on dit, les meilleures idées appartiennent à ceux qui les mettent en valeur. C'est pas facile.
Pour moi, la discipline, c'est la chose vraiment la plus importante qui nous permette de, bah, d'appliquer notre plan, d'appliquer le plan. Le plan, c'est la réflexion. La discipline, c'est vraiment ce qui nous permet d'appliquer. Je me suis dit, en fait, c'est ce que je veux faire, en fait, finalement. Je veux être le premier à me qualifier pour des championnats du monde, en fait. J'aimerais participer à créer les 10 premières médailles olympiques du Burkina. Burkina Faso. Burkina Faso. Ujay Zongo from Burkina Faso. Well, they've never won an athletics medal at the Olympic Games. La famille Zango sautille de joie et se félicite. Sur l'écran de télévision, Hugues Fabrice Zango vient d'offrir au Burkina Faso sa toute première médaille aux Jeux Olympiques. C'est une année qui sera très très dense au niveau des compètes. Voilà, je pense que c'est le plus endurant qui va pouvoir jouer la meilleure partition à Paris, quoi. Mais c'est bon, on a déjà notre plan en tête, on a déjà tout ficelé. Il n'y a plus qu'à suivre, que la santé suive, et puis voilà. Normalement, on arrivera au meilleur de notre forme à Paris. En fait, il y a quand même une certaine révolution, de façon générale, que ce soit dans le sport, dans l'économie, dans plein de domaines en fait en Afrique. On prend nos marques. Et donc, à la jeunesse, justement, c'est le moment de se placer. Prenez vos marques maintenant et agissez massivement. On regrette plus ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a échoué en réalité. Bah, faites échouer, en fait, finalement. Parce que je pense que vous aurez échoué beaucoup moins que moi, de toute façon. Parce que moi, j'ai énormément échoué avant d'arriver là où je suis. Ouais, ça, c'est sûr.